quelle est ma mission de vie ? C'est une question qui est probablement l'une des plus difficiles. Ce n'est pas une question facile, mais elle est cruciale, elle est importante. Parce qu'elle vient toucher notre génétique. Qui nous sommes vraiment ? La plupart des gens ne se posent pas ce type de question. Si vous écoutez en ce moment ou regardez Sparkle Show, c'est qu'il y a fort à parier que vous ne soyez pas de ces gens qui se lèvent, qui prennent leur douche, qui vont au travail, qui rentrent, qui mangent et qui dorment. Vous voulez un petit peu plus que payer vos impôts. Mais quand vous dites ça à la plupart des gens, ils vont vous dire « Oh, on va pas se prendre la tête, hein ? On va pas se rendre fou. Allez, viens boire un coup. » C'est trop compliqué ton truc là. C'est quoi ? Un truc de gourou ça ? Sauf que si tu ne sais pas la raison pour laquelle tu es ici sur Terre, en tout cas ce pourquoi tu es fait, pour décortiquer ce qui te rend heureux, ce qui t'épanouit, ce qui te rend fier de toi à la fin d'une journée, t'as raté ta journée, ta semaine, ton mois, ton trimestre, ton année, ta décennie et peut-être ta vie. Donc faites en sorte de comprendre avec cette question ce qui va vous rendre heureux chaque jour. Parfois, dans des moments difficiles de la vie, j'appelle cela vivre sa traversée du désert de Gobi. On a tous notre traversée du désert de Gobi, tous. J'aime beaucoup cette expression. T'as fait ton désert de Gobi ? Oui, je l'ai fait aussi, mais j'en ai même fait une dizaine si tu veux. On a tous des galères. En revanche, on va peut-être par exemple faire des petits boulots d'appoint, ou des boulots alimentaires entre guillemets, qu'on peut dire, on peut qualifier d'alimentaire. Mais lorsqu'on sait la raison pour laquelle on est ici sur Terre, ce qui nous rend heureux et quelle vie on veut avoir, on supporte le petit boulot. Durant une période d'un an, 5 ans. Des fois, ça dure très longtemps, les déserts de Gobi. C'est très long. Mais avec ça en tête, vous allez avoir un secret que d'autres n'auront pas qui va vous permettre de tenir. Vous comprenez ?